Jeudi, c'est jeudi 23 juin 2022. Et titre le son nom pour jeudi, c'est l'espérance de la terre promise. Non pas, si frère Jorab Etienne, fais mes yeux, baisse tes tout. On nous prie ensemble, papa, bon Dieu. Seigneur, roi des rois, papa, nous qui dans le ciel, yo. Comment pour nous pas dire merci, pour grâce ou pour l'amour, pour bonté ou envers nous chaque jour? Comment pour nous pas dire merci pour nourriture spirituelle ça ouvre pour nous chaque jour papa. Yo l'autre fois encore nous dans l'école là pour nous capable nourrir nous dans restaurant pour nous nourrir nous tant pis. Voyez cet esprit avec aliment que nous besoin pour nous. Fais ça pour petit tout. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bonsoir amis, c'est un plaisir pour nous ensemble avec vous une autre fois encore pour nous continuer à étudier ensemble parole bon Dieu. Pas bien semaine ça n'a étudié leçon 13 là qui gagne pour titre Israël en Égypte. Leçon 13 Israël en Égypte. Verset n'a médité celui pendant toute semaine ça, nous trouvons dans Genèse 47 verset 27, il dit Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen, ils eurent des possessions. Ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Zanmim, c'est toujours avec que nous remplis avec joie, nous croisons ensemble avec vous chaque jour pour nous étudier ensemble parole bon Dieu. Alors, 3 mois depuis nous avons étudié livre Genèse, nous dit papa bon Dieu, merci pour le son ça yo. Nous espérons vraiment que étude ça yo pote en pile pour vous sur le plan spirituel. Nous espérons étude ça yo aider ou vraiment marcher dans route cap mené dans ciel là. Nous espérons étude ça yo représenter lumière, lampe qui là pour éclairer pied ou pour pas tomber dans trou. Alors, ou même capé supporter travail ça, nous dit merci en pile. Merci, 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 merci en pile. C'est grâce à vous qui fait nous là chaque jour pour nous présenter ou leçon ça yo. Nous dit papa bon Dieu merci parce que li bay nous ou même comme moun et cap étudier ensemble avec nous. Nous dit papa bon Dieu merci parce que li bay nous ou même comme famille nous. Nous là chaque jour n'a étudier. Pas oublier moi dit étude ça gagne deux bagages li pote dans la voie en tant que chrétien. Premièrement relation personnelle ou avec bon Dieu lorsque vous venez sur canal là ou chanter, gain chanter pour chanter, moins oublier chanter, ou pile chanter sur canal là pour chanter ou prier et puis ou étudier ou ap soigner relation personnelle ou avec bon Dieu et lorsque vous partagez le son avec l'autre monde ou participez dans grand mission ça moi ensemble avec vous à l'effet de toutes les nations des disciples. Alors hier nous étudions une belle partie le son qui c'était Jacob béni ses fils. Donc en pile bagarre dans partie le son ça songez nous faut regarder le son yon après l'autre puisque nous gain introduction hein? Nous gain dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, c'est jeudi n'a mettre le pour you tout sous canal là l'important même l'on te garder le son déjà font garder encore parce que et chaque fois moi pas compte si ça qu'on niveau moi même les rêver chaque fois moi lis on livre chaque fois moi garder yon étude moi apprendre yon bagaille en plus ça fait moi encourager faire ça et je dis l'espérance de la terre promise nous vraiment arrivé dans fin livre Genèse là et de merci Dieu n'a pas fait conclusion hein, nous espérer ou là ensemble avec nous demain si je veux. C'est pral vraiment vraiment intéressant. Hier nous t'est arrivé côté Joseph, t'a béni t'es relé 12 petites lio, garder pour vider bénédiction dans la vie yo, l'état béni yo et Genèse 49 verset 29 nous t'a dit lorsque Jacob fin prophétiser sous Timon yo verset 29 sous 12 petites lio, puis il leur donna ce ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fonds, le Hétien. Dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté des fonds, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Verset 31, là on a enterré Abraham et Sarah, sa femme, et là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et là j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Alors, Jacob rivé nan moment li pral mouri. Pendant Jacob fin béni Timon yo, et puis la di yo parole ça, la di tant pri pa kite m en Égypte, pas enterrer en Égypte, al enterrer Canaran
dans même caveau côté Abraham enterré, côté Sarah enterré, côté Isaac enterré, côté Rebecca enterré, côté moi t'es enterré Léa, c'est là moi voulais pour nous aller ensemble avec moi pour nous enterrer, pas quitter en Égypte, pas quitter comme en Égypte. Et lorsque le fin dit aux paroles ça, lui mourit. Jacob mourit, frère Maxime. Et le soir dit nous livre Genèse en fini avec trois grands événements. Premier événement c'est l'espoir qu'Israël retournera à la terre promise. Et là, lorsque Jacob mandé pour retourner ensemble avec Col Canaran pour enterrer le Canaran, c'est une façon pour dire que là en Égypte, c'est pas pays nous. Là en Égypte, nous pas venir là pour nous rester. Mais qu'il aime un bagage. Et Jacob et Joseph, yo tout ni monsieur yo frère Joseph yo te connaît que bon Dieu te dit yo gen pour yo vinn en Égypte côté yo pral esclave pendant 400 ans dans Genèse 15 verset 13 côté bon Dieu te dit ça avec Abraham an nou li ça nou te li déjà dans leçon avant yo mais an nou li Genèse 15 verset 13 walwe Jacob mandé pour retourner avec Col en Canaran son façon pour annoncer à tout le monde que Égypte c'est pas pays. Genèse 15 verset 13, il dit et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Avec de grandes richesses. Verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ouais. Côté Abraham, c'était Canaan. Bon Dieu dit descendant yo pral esclave qui côté non terre étrangers. Il a passé 400 ans. Promesse ça, Isaac te connaît. Jacob te connaît. Joseph connaît promesse ça. Frère Joseph yo connaît promesse ça et c'est pas sans raison qu'il fait et là Jacob mandé pour pas enterrer en Égypte pour retourner à enterrer Canaan. Et chapitre 50 là dit nous, yo te fait exactement ça Jacob te mandé. Et Genèse 50 verset 7, Joseph monta pour enterrer son père, avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Nous capable comprendre là, dans enterrement Jacob, c'était une gros tête qui t'a enterré, tout gros chef en Égypte est allé dans enterrement et Jacob. Il y avait encore avec verset 9, il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers en sorte que le cortège était très nombreux. Alors, il était allé avec corps Jacob dignement Canaan pour y enterrer tant qu'il était mandé. Son façon pour dire que Égypte c'est pas pays. Deuxième point qui finit et livre Genèse là dans leçon a mentionné ça pour nous. Il s'agit de l'espoir que Dieu transformera le mal en bien. Automatiquement, Joseph fin enterré papal. Joseph retournait en Égypte. Maintenant, frère Joseph yo commençait peur. Frère Joseph yo pensait que Joseph va le faire au mal. Frère Joseph yo pensait, puisque papa yo mourir qu'on a, tout protégé, Joseph t'a protégé yo a, yo pensait que, regardez, c'était pour papa. Maintenant, il y a le côté Joseph. Il y a le parler avec Joseph. Il dit Joseph, regardez, papa nous te dit c'est pour prendre soin nous. Monsieur, il peur pour Joseph pas faire un mal. Mais Joseph te guetant pardonné déjà. Joseph leur dit dans verset 19, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant Joseph dit nous pas besoin de tête nos problèmes monsieur, moi pardonnez-nous. Ça nous t'est mal nous t'est pensé femme non. Bon Dieu t'a changé en bien déjà.
bon Dieu te gêta changé en bien déjà. Joseph là c'est un type de Jésus. Yo van Joseph, yo te van Jésus nous songe ça. Joseph là, regardez, yo tenté fait Joseph mal. Alors yo fait Joseph mal même, mal la changé en bien. Même Jean Jésus, monsieur cloué Jésus, yo maltraité fait Jésus souffrir. Nous t'a dit son façon pour l'homme pas de espoir pour lui, mais Jésus t'est resté ferme. Tout mal yo t'a fait Jésus, il t'est venu tout nous bien parce que faut que Jésus t'est mouru pour moi ensemble avec vous, t'es capable bien la vie. Et troisième grand événement, livre Genèse a fini ensemble avec lui, c'est la mort de Joseph. Dans Genèse 50 verset 22, Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération et les fils de Maki, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph te ouais petit li. C'était une grâce. Verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Joseph mourit. Joseph fait monsieur jurer que yo pap quitte Zol. Yo pap enterré en Égypte. Yo li même tout pour aller enterrer, pour aller ensemble avec lui Canaan lorsque yo praler. Joseph t'est rassuré monsieur yo, promesse bon Dieu t'est fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, la respecter parole li quand même les nous praler, nous va aller avec Zoom pas enterrer là. Yo t'est mettre Joseph dans cercueil vrai, Joseph t'est rit là, yo t'est prend Zo Joseph pendant toute tant yo te fait dans esclavage yo te rete là, yo pa te jamais jeté Zo Joseph. Exode 13 verset 19, lorsque Moïse a pour retourner avec peuple là après esclavage là, maintenant moun yo te gen yon boîte qui gen Zo Joseph. Exode 13 verset 19, gen Zo Joseph y a porté ensemble avec lui pour aller Canaan tant que Joseph te mandé ça. Frère Maxwell yo, histoire ça yo pas dans Bible au hasard. Là, Noé, Joseph, il t'ai prié frère lui en grâce tant prie, pas enterrer en Égypte. Son façon ni li ni Jacob, yo dit yo pas moun Égypte, c'est passé y a passé dans Égypte. Mais objectif là c'est Canaan. Moi ensemble avec vous, nous gain espérance Canaan céleste là. Même les nous mouri zo nous pas prêter sur la terre. N'a ressuscité pour nous monter. N'a ressuscité pour nous gagner un corps glorieux, pour nous monter à vivre avec Jésus 1000 ans dans le ciel et n'a descendre sur la terre restaurée pour nous vivre pour tout temps avec papa nous mon Dieu. Là, Noé et Jacob et Joseph y mouri, mais même les ont passé son quantité de temps en Égypte, y ont comprendre que y ont pas égyptien. Moi ensemble avec vous, même les nous passons pile temps sur la terre, mais nous pas citoyens terre ça, nous c'est citoyens céleste. Demain si Dieu veut, n'attend nous partie demain si Dieu veut après vraiment belle, n'a pas juste fait partie vendredi hein? Et puis samedi matin bien bonheur avant à l'église, n'a fait un petit révision pour l'arrivée dans classe là pour capoter lumière, nous t'a dit rafraîchir mémoire. OK, samedi matin n'a font petit rafraîchir mémoire pour n'a mettre le bonheur même là nous qu'on mettre le son yo pour qu'a joindre pour qu'a partager dans classe yo. Mais entre temps al étudier toute leçon semaine là parce que gagne pile bagarre pour apprendre. Pas oublier puis bon façon qu'a supporter travail ça c'est camper leçon qu'on a. Mettez un like, pas oublier inscription à continuer, voyez link ça ba en pile monde pour nous joindre en pile monde qui vient étudier trimestre prochain ensemble avec nous. Fermez yeux, baissez tête en nous prier. Bon Dieu papa nous merci. Merci Seigneur parce que vous remet nous. Merci parce que vous c'est roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci parce que ou toujours là pour nous, toujours campé pour nous, toujours pensé pour nous. Merci encore. Continuez protéger petit tout. Continuez bénir nous. Continuez guider nous papa. Continuez voyer nourriture ça pour nous parce que yo fait nous bien, yo fait nous du bien.
yo fait spirituellement, yo fait nous du bien. Continuez voyer pour nous et mettez le désir dans nous pour nous toujours en vie. Nourris-nous de parole. Bénis-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen.